chante. Et vous allez vous en apercevoir. Voilà. Merci, Martha. Petite chose, on ne peut pas remercier tout le monde, mais comme vous avez une petite coupe, notre premier partenaire historique, c'est le très bon Saumur. Ah, mais il est là. Vous pouvez l'allumer. Merci à la famille Mandisseau. Et mercredi, dans la grande salle, qui sera plus calme qu'aujourd'hui, on le sait, il y aura un très beau ciné-concert avec La Grève, présenté par Franck Ferrand, qui fait Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Voilà, Pavel Longwin, la star de notre soirée. Merci beaucoup d'être venu. Excusez-nous encore une fois le retard. Vous avez vécu un peu comme les Russes, vous avez fait la queue de 45 minutes. Alors, c'est déjà une ouverture. Chaque opéra doit avoir une ouverture. Voilà. Et écoutez, encore une fois, je ne veux pas être long parce que il n'y a pas grand-chose à expliquer, vous allez voir. C'est le sujet éternel de Dame de Pique qui se joue dans la vie réelle et dans l'opéra en même temps. Vous allez voir ce sentiment de jeunes qui veulent exister, qui veulent vivre, qui ne croient pas beaucoup dans la vie, qui sont prêts à n'importe quoi.